Salut, c'est Trado, voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien, nouvelle séance de temporisation aujourd'hui, hein. on accumule que 0,1% et l'indécision est à son comble, je vous rappelle qu'il y a une tension. En ce sens que, et euh, eh bien sur l'hebdomadaire, on est haussier. On l'a vu dans la vidéo du week-end. Je vous invite à vous y reporter, mais en journalier, ça commence à être euh, difficile. On a toujours notre vague de Wolf qui a été activé. Hein. J'en ai suffisamment parlé 1, 2, 3, 4, 5 et attraction vers le point 6 en passant éventuellement par le point 4 à 4800. Bon, c'est est un élément qui est, qui est assez négatif. Il joue comme une épée de Damoclès. On a inscrit en plus une, un, un Turtle Soup. Et le voilà, notre turtle soup. Voilà, vous prenez 20 bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 20. Vous regardez euh, la bougie et vous voyez là, c'est le nouveau plus haut. Et voilà l'ancien plus haut de 20 bougies. Et comme vous pouvez le voir, le nouveau plus haut de vendredi est donc par définition plus haut que le précédent. Il termine néanmoins ici, c'est-à-dire en dessous du précédent plus haut. Ça s'appelle un turtle soup. Et ça veut dire qu'il y a une alerte à la baisse. Alors euh, voilà, ça... A... Plus le fait que l'on soit au contact d'un euh, canal orange en haut, la haut du canal orange, plus le fait que la Boinger Super soit en opposition. Plus la vague de Wall, vous l'aurez compris, on a des éléments qui viennent militer pour une pause salutaire. Maintenant, maintenant évidemment, la tendance de fond, elle est haussière, on l'a vu en hebdomadaire, on a aussi jour le journalier au-dessus de la M7, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la M20, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage. Bon, ce n'est pas parce qu'on est en tendance haussière qu'on ne peut pas avoir une consolidation, et ce n'est pas parce qu'on a une consolidation que ça va véritablement déboucher sur une tendance baissière. Mais voilà, on ne peut pas faire comme si ces signaux n'existaient pas. En plus, regardez, les deux bougies hein, de lundi et de vendredi sont de type doji. Alors surtout celle de vendredi, celle d'aujourd'hui moins, mais en tout cas, les corps sont très 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 étroits et les mèches sont disproportionnées par rapport au corps. Vous voyez, hein, c'est le, le contraire ici. Et ça, ça montre l'indécision. Regardez les indicateurs techniques qui laissent aussi euh, quand même des choses à dire. Hein. Certes, c'est haussier. Le momentum est au-dessus de 0. Le RSI est au-dessus de 50. Le MACD au-dessus de son signal. Tout ça, ça veut dire que c'est haussier. Oui, mais voilà, euh, ça fatigue. C'est mou. C'est mou du genou. Le momentum, eh bien, il descend. Donc, c'est haussier, mais de moins en moins haussier. Le RSI, ben, il s'aplatit, hein, la, la pente elle a tendance à devenir de moins en moins marquée. Et le MACD, c'est pareil, hein, c'est au-dessus du signal, mais ça reste quand même euh, quasiment, quasiment à l'horizontale. Hein. On va terminer en regardant maintenant ce que nous disent les autres marchés, à commencer par notre cousin euh, Germain qui, lui, je vous rappelle, est également dans une figure qui, normalement, est assez euh, baissière, puisque les biseaux descendants, les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. On est également ici dans une vague de Wolf qui nous invite à visiter un petit peu le sud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et euh, les marchés euh, américains nous disent également qu'il faut faire attention. Le SP500 a cassé son canal orange vers le bas. Ok, Normalement, ça veut dire que ce n'est pas bon. Heureusement, on a été sauvé in extremis par la M20, mais euh, on a du mal à rebondir encore aujourd'hui, vous pouvez le voir. Et euh, le SP 5, le Dow Jones, ici, et eh bien là aussi, hein, on est dans une figure en biseau ascendant qui se casse plus souvent par le bas que par le haut. On va juste terminer pour comprendre le, la dernière, le dernier élément qui est très important. Regardez, 4999,60. Euh, encore loupé la clôture au-dessus des 5000. Hein. Là on est passé à 5001 mais on est clôture à 4995. Vendredi on a eu jusqu'à 5022, c'est-à-dire à, à quelques points hein, de, de l'objectif des 5040 mais finalement on clôture en dessous des 5000 et c'est encore aujourd'hui pareil. Et là euh, j'aimerais utiliser cette minute supplémentaire pour vous parler de cette zone ici de résistance. Alors elle m'a été signalée par un tradosorien qui se reconnaîtra. Alors pourquoi Parce que si on remonte suffisamment... Loin dans le passé, on voit qu'il n'y a pas eu de cotation entre cette bougie-là et cette bougie-là. C'était le 12 août 2015. Et vous savez que dans le prolongement, attendez, j'ai un peu travaillé comme un cochon. Voilà. Donc, dans le prolongement d'un gap, eh bien, il y a une zone qui fait résistance et qui fait support et qui fait également attraction. Donc, voilà. À 5050, on va euh, être en contact de cette zone. Il faut donc faire attention. Ça aussi, ça milite pour la plus grande prudence. Bonne soirée, bonne traite à demain pour la mise à jour. <music>